Donc, je vais présenter Quentin. Quentin, qui est membre de la coopérative des Tilleuls à Lille. Il est spécialisé symphonie depuis quelques années et à travers son expérience, il a pu appréhender différentes technologies telles que Elasticsearch, Kubernetes, etc. Et c'est justement de Kubernetes dont il va nous parler aujourd'hui, à travers un retour d'expérience d'une migration vers Kubernetes. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Quentin Barlois. Merci Vincent. Hop. Alors, bonjour à tous ou rebonjour à tous. Alors, comme l'a dit Vincent, aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur une migration de l'hébergement d'Arte qui a été faite vers Kubernetes. Donc, c'est une migration qui est toujours en cours parce qu'elle se fait API par API. Je vais surtout exposer les pistes de réflexion que nous avons eues pour pouvoir attaquer cette migration. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne Kubernetes, mais je vais plutôt parler du questionnement que nous avons pu avoir. Alors, au niveau du contexte, je vais le présenter un peu. Donc, en me présentant moi-même, je suis back-end développeur chez les Tilleuls. Vous pouvez me retrouver sur GitHub et Twitter. Les Tilleuls, Kevin l'a présenté juste avant moi. Donc, on fait du développement, du consulting et de la formation un peu partout en France. On est 50 aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé à nous rejoindre et que vous êtes intéressé dans le développement PHP, JS et autres, hein, même dans du DevOps justement, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Troisième partie, Arte. Je pense que tout le monde connaît Arte, la chaîne de télé publique très connue pour ses documentaires notamment. Arte est présent dans trois villes, à Paris, à Baden-Baden en Allemagne et à Strasbourg. Elle réalise 3% de part d'audience en France et le mois dernier a eu un nombre de visiteurs jusqu'à 18 millions de visiteurs le mois dernier sur arte.tv. Il y a également des applications, il y a le site arte.tv et des applications Android, iOS. On retrouve également les programmes d'Arte sur les box TV et sur les télé connectées. Moi, je suis au sein d'une équipe qui est chargée de la gestion de l'information, des programmes et des vidéos. On travaille avec des API Symfony, donc en PHP, avec de la persistance en Mongo Elasticsearch. Il faut savoir qu'au départ, quand on s'est lancé dans cette migration, on n'avait aucune connaissance dans Kubernetes. Donc, on s'est justement pas mal posé de questions. La première était pourquoi migrer? Pourquoi choisir de partir de nos serveurs dédiés qui fonctionnaient plutôt bien et pourquoi choisir Kubernetes comme solution? Tout d'abord, parce qu'on travaille au quotidien avec un environnement Docker pour nos développements. On se disait que migrer vers Kubernetes nous permettait d'avoir un environnement ISO entre le développement et la production, même si on essaye en général d'avoir des images locales qui se rapprochent de la production quand on est sur des serveurs dédiés, ce n'est pas forcément toujours le cas et ça peut amener parfois des petites surprises. Deuxième point, c'est contrôler la configuration. Là où les serveurs dédiés sont gérés par un hébergeur, où il faut faire du ticketing pour lui demander de faire des modifications de configuration Nginx ou PHP. Là, aujourd'hui, ce sera les équipes DevOps et ou les développeurs qui auront la main là-dessus, vu que la configuration sera as code, sera stockée avec le projet. Troisième point, c'est l'autoscaling. Toute chaîne de télé, il y a des pics de trafic à certains moments de la journée, notamment le soir lors du 20h. L'autoscaling nous permet d'augmenter le nombre de ressources allouées
pour nos API en fonction du trafic qui nous est envoyé. Ce qui nous permet à nous de ne pas avoir de surdimensionnement de machines comme on peut l'avoir aujourd'hui sur nos serveurs dédiés. Quatrième point plutôt important qu'on attendait, c'était le rolling update. On sait qu'avec Kubernetes, on peut faire du rolling update, c'est-à-dire avoir une mise en production fluide sans aucune interruption de service. On avait parfois des petits soucis au préalable quand on utilisait Capistrano ou autre. Là, c'était une des promesses qu'avait Kubernetes pour nous. Ensuite, il y a le feature deploy. Donc aujourd'hui, on déploie sur un environnement de développement, puis de pré-production jusqu'à la production. Kubernetes nous permettrait également de pouvoir déployer des branches ou des commits spécifiques afin de pouvoir tester les développements qui ont été faits et ensuite mettre en production plus rapidement, pouvoir peut-être atteindre au final un déploiement continu en déployant feature par feature. Il y a également le Canary Release qui nous permet de déployer deux versions simultanées de notre même application, une version A, une version B, et de déployer une des deux versions à une petite partie du trafic et l'augmenter si la nouvelle version est satisfaisante. Ensuite, on s'est posé la question inverse. Pourquoi ne pas migrer? Pourquoi on aurait tout intérêt à rester sur notre hébergement classique? Tout d'abord, comme je l'ai dit en introduction, on n'avait pas de connaissance du tout de Kubernetes dans l'équipe. Donc, y a quand même un peu de boulot pour se documenter, comprendre un peu les termes techniques qui s'y rattachent. Donc, on y vient, il y a une complexité d'apprentissage. Tout le monde en parle en général. La complexité d'apprentissage de Kubernetes est assez importante. Et donc, il faut bien prendre le temps, en tout cas, d'aller rechercher les informations dans la documentation qui est plutôt bien fournie pour le coup. La responsabilité de développeur, ou en tout cas la responsabilité de l'équipe et des DevOps, faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, Charté, on a un hébergeur qui s'occupe actuellement de nos configurations. Une fois migré sur Kubernetes, pour les projets qui sont en tout cas sur le cluster, ce sera aux équipes DevOps et CRE de charger de la configuration des Nginx, des PHPFM, etc. Et plus à l'hébergeur de faire ça. Donc, on aura beaucoup moins de possibilités de faire du ticketing à l'hébergeur, ce qui rajoute une charge de travail, ou en tout cas, il faudra avoir des profils qui sont expérimentés dans ce domaine afin d'avoir un système résilient. Alors, on a défini un petit plan d'action avant de démarrer cette migration un peu à la va-vite ou à l'aveugle. Et le premier point où on s'est dit qu'il fallait mettre la main, c'était refactoriser nos Docker files. Donc, comme vous le savez, pour Kubernetes, on déploie des images Docker dans un environnement spécifique d'orchestration. Donc le premier point, c'était l'idée était de faire des images déployables, des images qui soient tout de suite prêtes à être lancées, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin, comme en local, de créer des volumes supplémentaires, de faire des configurations manuelles, de lancer des composeurs install à la main, etc., dans nos conteneurs. Deuxième point, c'était minimiser la taille de l'image, parce que si on a une taille réduite, on aura un temps de téléchargement et de déploiement plus rapide. Ensuite, on a essayé de mettre en place les best practices Docker pour être le plus performant possible. Et enfin, choisir un registry pour avoir un management des images qui soit assez clair, savoir quand et quoi pousser et comment taguer. Ensuite,
on a toute la partie création des manifestes Kubernetes, avec donc la création des manifestes en tant que tel, et la mise en place des bonnes pratiques Kubernetes, que je détaillerai un peu plus tard. La mise en place de tests. Alors, on a scanné également nos images Docker afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de faille de vulnérabilité. On a également fait des tests de déploiement avec un outil qui s'appelle GoReplay, qui permet de répliquer le trafic entrant sur un serveur et de le renvoyer vers un autre. Donc là, en l'occurrence, le dit autre est, a été le cluster Kubernetes. Donc là, les tests de charge et bien sûr des tests de déploiement manuels avant d'automatiser tout ça. Quatrième phase, donc la mise en production. L'idée était de déployer premièrement sur une petite partie du trafic, sur 1% du trafic, voir comment ça réagissait et augmenter tout doucement ce pourcentage. Et donc, en plus de déployer sur une partie du trafic, on déploie, on migre, en tout cas, application par application. On fait une API, on dirige 1% du trafic vers le cluster pour cette API, et ensuite on monte jusqu'à 100%, on passe à la deuxième, et ainsi de suite. Enfin, dernier point, ajout des fonctionnalités avancées, donc les fonctionnalités qui sont un must-have pour nous, c'est-à-dire l'autoscaling, fait de pouvoir agrandir les ressources allouées à nos API, le feature deploy et le canary release. Donc c'est parti, commençons les travaux. Première partie Docker et comment créer des images déployables. Alors, première chose à faire, pour avoir une image qui soit prête à fonctionner sans rien avoir, c'est copier les sources. Donc pour ça, on se met dans un répertoire spécifique et on copie l'ensemble de notre projet. Deuxième point, c'est l'installation des dépendances en mode prod. Effectivement, quand on sera sur le cluster, ça sera pour servir de la production. Donc il faut avoir nos dépendances en mode production. Enfin, on crée un entry point Docker pour nous faciliter un peu la vie au quotidien, notre vie de développeur finalement, où on précise qu'on va installer les dépendances de dev si on est dans un environnement différent de la prod. Donc l'entry point, pour ceux qui ne le savent pas, va être exécuté au démarrage des conteneurs et pas à la création de l'image. Pour optimiser un maximum la taille de nos images et donc avoir des temps de téléchargement pour les déploiements plus courts, et donc aussi un stockage un peu réduit pour le stockage de nos images, on a choisi d'utiliser des distributions d'OS Linux allégées comme Alpine. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise pour PHP. Et il existe aussi des images faites par Google, distroless, qui sont disponibles que pour certains langages, Java, Node.js, Go, Python, ou même du Rust. Mais pour le coup, ce n'était pas disponible pour PHP. Il faut savoir que ça peut être un peu compliqué à débugger parfois parce qu'on n'a même pas accès à un shell. Par défaut, il y a vraiment le strict minimum d'installer. Alpine, il faut savoir que c'est basé sur la libc Muscle et Busybox. Donc, contrairement à la glibc, si vous avez certains services qui utilisent la libc, en tout cas, il peut y avoir quelques incompatibilités. C'est à garder en tête. Enfin, on a utilisé un Docker Ignore. Quand j'ai fait la copie des sources, j'ai fait copie point point pour copier le répertoire courant vers le répertoire Docker slash app. Là, grâce au Docker Ignore, je vais pouvoir lui dire d'ignorer. Donc, dans mon exemple, j'ignore tout, sauf les dossiers et fichiers qui sont nécessaires pour que mon application fonctionne. Enfin, comme on avait des images qui étaient en place pour le développement depuis un certain temps, on avait beaucoup de paquets système qui étaient installés, mais
ne servait pas, donc on a fait un peu le ménage et on a supprimé beaucoup de paquets inutiles. Encore une fois, dans un souci d'optimisation de taille. Les best practices, pardon. Hop, excusez-moi, bon, un petit coup. Au niveau des best practices, donc l'idée, c'est d'avoir des conteneurs éphémères, des conteneurs totalement stateless, qui soient recréables à l'infini. Une fois que vous pouvez supprimer vos conteneurs et recréer vos conteneurs à partir de vos images, et qu'une fois que vos conteneurs sont démarrés, votre application tourne, vous êtes bon. Finalement, ça fait partie des 12 factors application. C'est le sixième des facteurs. Et donc, il convient d'avoir en tout cas des conteneurs totalement stateless pour pouvoir déployer sur Kubernetes. On a également utilisé le multi-stage build. Donc, par quoi ça se traduit? Donc, on découpe nos différentes définitions de services dans nos Dockerfiles. On s'en est servi notamment pour avoir des versions de nos images PHP avec ou sans Xdebug, avec ou sans l'agent Neuralink d'installer. On peut reprendre par exemple aussi les sources, le dossier public depuis l'image PHP parce que ça a été précédemment copié pour l'image Nginx. Un autre point, donc l'instruction copy. Ce qui est intéressant de noter là dans l'exemple, c'est qu'on peut faire des copies from un service précédent. Donc par exemple, from Composer ou un service distant, enfin hein, une autre image Docker. Hein, donc pour copier par exemple le binaire Composer ou pour copier le dossier public dans Nginx depuis PHP. On a également essayé de minimiser le nombre de layers afin d'avoir le moins de nombre de couches de cache possible. Ça, encore une fois, c'est une recommandation d'Oka. Pour ça, on va utiliser pour l'instruction run l'anti-slash afin de lier les différentes installations de paquets et pas avoir une instruction de cache pour chaque installation de paquets. Et avec l'anti-slash, ça permet également de remettre ça sur plusieurs lignes afin que ça soit plus lisible, parce qu'un Dockerfile peut peut rapidement devenir illisible. En parlant de cache, justement, il faut savoir que dans Docker, les layers qui créent du cache, les instructions qui créent du cache, pardon, sont les instructions from, copy, run et command, CMD. Et donc une fois qu'un cache est invalidé, donc tous les layers suivants le seront aussi. Donc c'est pourquoi, là dans mon exemple, on fait d'abord la copie des fichiers composer qui sont nécessaires pour le composer install, on fait le composer install, ensuite on copie nos sources. Si on copiait nos sources avec les fichiers composer et qu'on faisait le composer install ensuite, à chaque changement dans nos sources, chaque changement sur nos fichiers PHP, il y aurait une invalidation du cache pour l'instruction copy point point, et du coup, on ne bénéficierait pas du cache Docker pour l'instruction composer install. Ça, c'est des petits tips à bien garder en mémoire également. Hop, ça ne fonctionne plus. Hop, alors je vais faire manuellement. Donc la création, on s'est posé la question de créer un utilisateur spécifique parce que par défaut les conteneurs Docker utilisent root pour s'exécuter. Et il y a quelques mois une faille sur Google Kubernetes Environnement où en gros on pouvait s'infiltrer dans un conteneur, se connecter en root et avoir accès root sur le nœud qui exécutait le conteneur. C'est une faille qui a été corrigée, bien sûr, mais on n'est pas à l'abri que d'autres failles du genre se reproduisent.
C'est pour ça qu'on a choisi de créer un utilisateur spécifique et lui laisser les droits que pour notre application, afin de ne pas être embêté avec d'éventuels soucis de sécurité. Oh. Enfin, dernier point, l'utilisation de BuildKit. BuildKit, c'est une fonctionnalité expérimentale intégrée à Docker qui permet d'augmenter la rapidité des builds des images. Ça permet également de partager le SSH facilement, enfin le socket, enfin l'agent SSH facilement, et également de passer des secrets dans l'image, mais qui seront non persistants dans l'image. Donc encore une fois pour des soucis de sécurité. On l'a juste utilisé finalement pour la construction des images afin d'avoir une plus grande rapidité dans la construction de celle-ci. Ça marche parfait. Pour manager ces images, il a fallu qu'on choisisse un registry. Il en existe plein, que ce soit ceux de Google, d'Amazon, ceux présents sur nos systèmes de versionning, en tout cas sur GitHub, GitLab ou même DockerHub. Hein. Nous, on a fait le choix de partir sur Arbor. Arbor, c'est un registry qui est open source qui fait de la gestion de RBAC, hein, donc gestion d'utilisateurs avec des politiques de gestion de rôle. Il y avait un support LDAP, donc ça intéressait, et Active Directory, ça intéresse Arte, car ils en ont un en place chez eux. Il y a le scanning des vulnérabilités des images Docker qui est intégré. La possibilité d'avoir des politiques de rétention des images en fonction des tags, etc. On a le management de chart Helm. On va voir un peu après que ça nous a intéressé. Il y a une API REST, etc. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y en a encore d'autres hein, que je ne cite pas là, notamment la réplication inter-registrie d'images. Si vous voulez copier des images depuis votre registry GitHub vers Arbor, c'est possible, ou inversement. Donc, une fois qu'on a choisi notre registry, il a fallu choisir un flow de management des images. Le nôtre a été celui-ci. Donc, on a notre Dockerfile. Dans la CI, on le build, on a une image. On utilise cette image pour exécuter nos tests, que ce soit CSFixer, PHPInit, etc. Ensuite, on push le tag vers le registry Arbor. On va créer, dans le cadre d'un merge sur master par exemple, une release sur GitHub, modifier nos tickets Jira pour leur associer cette release et les fermer. Et enfin, effectuer le déploiement vers Kubernetes. Kubernetes, on y vient. Première chose à faire, c'est créer les manifestes. Donc, les manifestes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la définition de toutes les ressources qui vont être nécessaires pour votre projet, pour exécuter votre projet, justement, votre application sur le cluster. Donc, on va définir des déploiements, des ingress. Donc, les déploiements vont définir les pods qui vont contenir vos conteneurs. Les ingress vont être les points de terminaison, donc où on va associer un nom de domaine avec un ou plusieurs conteneurs particuliers à aller interroger. Et d'autres choses dont je vais détailler après, mais c'est vraiment les deux principaux, on va dire. Pour créer ces manifestes, alors c'est juste des manifestes, c'est quoi? C'est juste des fichiers YAML. Hein. Nous, on a choisi d'utiliser, enfin, Helm, on s'est posé la question en tout cas, et on a fini par l'utiliser. Alors, quel avantage a Helm comparé à créer des manifestes en YAML et ne plus y toucher? C'est qu'il y a du templating. Helm utilise du templating Go. Donc, on va pouvoir binder des variables et avoir des templates qui sont totalement dynamiques. Si vous voulez définir un nombre de réplicas fixes, mais que
un jour, vous voulez les augmenter, vous bindez une variable, vous changez ça dans votre CI, juste la valeur de cette variable, et via Helm et son templating, lors du prochain déploiement, le nombre de réplicas sera changé. Il y a également une gestion de release pour pouvoir faire des rollbacks ou facilement ou autre. C'est également un package manager. Il faut savoir que le chart que vous allez créer, vous allez pouvoir le pusher à la star d'une image Docker. Hein. Et il existe plein de packages et plein de charts Helm qui existent et qui vous permettent d'installer facilement, par exemple, un agent Neuralink sur votre cluster ou des extensions pour Kubernetes ou déjà des configurations pour des applications spécifiques en tout cas. Il y a une seule ligne, vous faites un Helm install, le nom de votre paquet, ça s'installe automatiquement sur le cluster. On s'est posé la question par la suite de comment cloisonner nos environnements. Et donc, on a choisi de faire un namespace Kubernetes par application. Donc, avec le nom de notre application, tirer le nom de l'environnement, par exemple mon application tirer production pour mon application de production. Donc les namespaces sont vraiment faits pour ça dans Kubernetes, ils permettent de cloisonner un ensemble de ressources, et les lier ensemble. Et on s'est posé la question ensuite d'avoir un cluster dédié à la production ou d'avoir nos trois environnements d'intégration, de pré-production et de production sur le même cluster. Au départ, on était dans cette situation-là, mais pour ne pas impacter, on va voir qu'il y a des choses qui permettent de ne pas impacter, mais en tout cas pour allouer un maximum de ressources disponibles à notre application en production, on a choisi d'avoir un cluster de pré-production où on a nos environnements d'intégration qui tournent, et un environnement un cluster de production, on a notre environnement de production qui tourne. Ensuite, on s'est posé la question de est-ce qu'on ferait bien d'avoir nos bases de données dans le cluster ? Alors, la réponse était non, parce que c'est pas recommandé d'avoir des bases de données, en tout cas, qui ne gèrent pas le clustering dans un cluster. Puis on n'avait pas forcément non plus les connaissances sur le sujet. Et en plus, ça ramènera encore un peu plus de responsabilité de notre côté. Et pour une première expérience, on a choisi de ne pas le faire. Et encore aujourd'hui, je recommanderais de ne pas le faire. Sauf pour certains systèmes qui gèrent le clustering. Et là, il faudra aussi mettre la main à la pâte. Donc, on a défini dans nos manifestes différents labels. Et une des bonnes pratiques que recommande Google, c'est de définir des labels par défaut. Donc, le nom, la version, le composant, par quoi est managée mon application, etc. Ça donne des informations sur votre application. On va voir qu'on peut... Dans Kubernetes, parfois, on a besoin de filtrer sur ces labels pour cibler, en tout cas, des ressources spécifiques, pour cibler uniquement les pods Nginx ou PHP, etc., etc. On a choisi d'en rajouter d'autres qui appartiennent, enfin, qui ont été définis pour Arte, pour définir de quel type était notre application, back-end, front-end, quelle équipe gérait cette application, dans quel environnement on était. Il y a également la notion d'annotation. Il faut savoir que quand une annotation change sur vos ressources, s'il s'agit d'un déploiement, vos ressources vont être recréées. Donc, les pods vont être recréés. Nous, comme on utilise des tags qui sont tout le temps les mêmes, production pour la production, intégration pour intégration et pré-production pour la pré-production, je parle de tag d'image Docker. On a été obligé de rajouter une annotation où on set le timestamp du déploiement, pardon,
pour forcer le changement et le rechargement de nos nouvelles images Docker. Là, c'est vraiment spécifique à notre contexte. Dans la pratique, on n'utilise pas forcément les annotations pour ça. Ensuite, donc, nos images, quand elles sont pushées, elles sont pushées avec un utilisateur spécifique. Donc, pour que Kubernetes puisse récupérer nos images de manière authentifiée, il a fallu créer un secret de Kubernetes. Donc, on va définir le login mot de passe de notre registry et l'host de notre registry. Et en fait, dans nos templates de déploiement, on va pouvoir préciser quel secret utiliser pour pouvoir pooler, récupérer notre image lors du déploiement. Autre chose qu'on a mise en place, toujours sur la définition des déploiements et donc de nos conteneurs, c'est la définition de request et de limite. Donc, qu'est-ce que c'est les requests et les limites ? La request, ça va définir ce que je réserve au sein de mon cluster en termes de ressources CPU et mémoire pour que mon application tourne. Et les limites sont ce que je ne dois pas dépasser au-delà, mais pas devant redémarrer. Enfin, ensuite, nous avons les probes. Donc, readiness probe, ça va indiquer que ça va définir en tout cas une sonde pour dire mon application est bien démarrée. Donc, je peux dire que le trafic est ouvert une fois que c'est prêt. Et le liveness probe va dire est-ce que mon application est toujours en vie. Donc là, il va y avoir des calls périodiques. Ça, c'est des calls HTTP qui sont faits. On peut faire aussi du TCP socket pour le coup. On peut également exécuter des commandes si je ne me trompe pas. On a également précisé, toujours sur les pods, les graceful shutdown. Il faut savoir que par défaut, quand les conteneurs Docker sont stoppés, c'est un sick term qui est envoyé. Là, le graceful shutdown, en tout cas la définition du pre-stop dans le lifecycle du pod, permet de définir une autre commande exécutée pour stopper nos services de manière plus propre. C'est le cas pour PHP-FPM qui, lui, préfère un sipkit, par exemple. C'est ce qu'on fait dans l'exemple. Ensuite, on a fait des affinity rules ou anti-affinity rules afin de matcher nos pods Nginx et PHP et de leur dire on veut que sur nos trois nœuds, les pods soient répartis au sein du cluster. Ensuite, on a mis en place des network policies. Donc ça permet de bloquer des connexions entrantes ou sortantes de pods. Par exemple, ici, on dit qu'on bloque toutes les connexions sortantes pour notre application donnée. Enfin, en tout cas, pour ce qui match le label app avec la valeur MyApp. Donc ça, c'est intéressant dans certains cas. Par exemple, il ne doit pas y avoir de trafic entrant pour un pod qui ne gère pas d'HTTP, par exemple. Donc pour aller un peu plus loin, comment nous on a fait pour avoir cette division de trafic au niveau de Kubernetes entre nos serveurs dédiés et nos serveurs et notre cluster Kubernetes. Il faut savoir que chez Arte, il y a un varnish qui est en frontal et qu'il y a beaucoup de règles de gestion qui sont définies dans celui-ci, qui est une nouvelle règle de gestion au niveau de la définition des backends qui a été mise. Et on a défini des poids au niveau des requêtes. Et donc, en fonction des poids, les requêtes sont dirigées vers l'un ou l'autre des backends, toujours en round robin. Pardon. Chose qui nous intéressait donc pour les pics de trafic amateur, c'était l'autoscaling. Donc, comment on définit ça dans Kubernetes? C'est via la définition de horizontal pod autoscaler. C'est une ressource à part entière
Et là, on lui définit un nombre minimum de réplicas, un nombre maximum, et on se base sur des métriques CPU ou mémoire en fonction d'une valeur fixe, par exemple ici 100 mégas de mémoire, ou un pourcentage d'utilisation pour augmenter ou réduire automatiquement le nombre de pods qui a été sélectionné via le scale target ref. Et donc le choix d'augmenter ou de réduire le nombre de pods se fait via la règle qui est décrite en dessous. En gros, typiquement, si vous êtes au-dessus de 50% de CPU, on va augmenter le nombre de pods. Si on est en dessous, bien en dessous, à 25%, on va le diviser par 2, par exemple. Donc, pour le feature deploy, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place pour le coup. Je vais me dépêcher un peu parce que je suis un peu en retard. On a External DNS, qui est un plugin Kubernetes qui s'installe facilement, qui nous permet d'avoir notre nom de domaine enregistré assez facilement, enfin automatiquement en tout cas, et c'est un manager qui nous permet d'avoir l'HTTPS, donc il faut définir une ressource spécifique, hein, mais d'avoir l'HTTPS créé automatiquement. Pour le Canary Release, enfin en tout cas le Blue Green Deployment et le Canary Release, c'est également faisable avec Kubernetes, donc soit via un nouveau déploiement, soit via des outils tels que Istio. L'idée étant toujours de déployer notre nouvelle version vers une petite partie du trafic, voir si cette petite partie du trafic, avec cette petite partie du trafic, pardon, ça se passe correctement ou non, et si ça se passe bien, on déploie à l'ensemble du trafic. Il est venu le temps pour moi de conclure. Donc, aujourd'hui, la migration chez Arte, où est-ce qu'elle en est? On a une application, enfin une de nos API qui est migrée totalement. On a également une autre API qui gère vraiment la transformation des images. Donc, on utilise Sunboard, donc, qui est du Python pour ça, qui est en cours de migration. On a environ 50% du trafic actuellement. On se confronte parfois à quelques soucis par rapport aux ressources du cluster, etc. Mais bon, en cherchant bien, on arrive toujours à résoudre nos problèmes. Voilà. Dernier point. Si vous ne connaissez pas encore Kubernetes et vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Il y a un peu de temps à passer pour apprendre en tout cas comment fonctionne ce dernier. Beaucoup de vocabulaire aussi à appréhender. Mais une fois qu'on connaît tout ça, c'est vraiment très intéressant de mettre les mains dedans. Voilà pour moi. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, mais en tout cas, s'il y en a, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Quentin. Alors, en effet, on a plusieurs questions. On a eu... je vais reprendre. On a certaines questions qui ont été beaucoup votées, en particulier une question de Romain. Cependant, vu le timing, là, on ne va pas avoir le temps d'y répondre en live. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va laisser l'événement encore ouvert. Ouais. Nous, on va quitter la scène. On va reprendre une autre scène à côté pour la conférence de Myriam, que je vous invite à voir également. Et en attendant, vous pouvez continuer de poser vos questions sur ce Livestorm et Quentin va y répondre par écrit. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. Et à tout de suite. À tout de suite par écrit.